Salut à toi, jeune papayou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Ah, attendez, il manque un truc. On va la faire à la youtubeur, instagrammeur et tout ce qui va bien. Ah, voilà, là c'est mieux les gars. On n'est pas mieux là? Eh oui, je suis à Energylandia. Alors en fait, c'est très simple. Je me suis installé à Zator pour 2 semaines. Donc les gars, 2 semaines de parc. C'est très simple, on est au pied d'Abyssus, vous connaissez mon petit coup de cœur de cette année 2021 en termes de nouveautés. Alors je suis désolé, il neige, voilà, mais je tenais juste à vous passer ce petit message dans le parc. Et bah écoutez, ça va être très simple les gars, je vais vous faire plein de vidéos consacrées à Energylandia pendant le mois de décembre. Et j'aimerais bien faire un petit truc avec vous, parce que le but c'est d'échanger tous ensemble. Et j'aimerais bien vous donner mes trucs et astuces pour une visite à Energylandia. Donc sous forme de fac, mais également sous forme de petits tutos en vidéo. Et pour la fac, j'aurai besoin de vous pour que vous m'envoyez vos questions dans les espaces commentaires, mais également sur mes réseaux sociaux, donc aussi bien sur Insta que sur Facebook. Vous me contactez les gars, vous mettez votre petite question, je sais pas moi, quels sont les hôtels à proximité, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité dans le parc, où sont les fast-pass, je sais pas moi, plein de questions à la con, les baby switch, etc, etc, en commentaire ou dans mes réseaux sociaux. Et puis je ferai en sorte d'y répondre et puis d'avoir une petite interaction avec vous, ça serait sympatoche quoi. Donc n'hésitez pas, toutes les questions qui vous passent par la tête à propos d'Energylandia, vous me les envoyez et puis moi je ferai en sorte d'y répondre en direct live sur le terrain. Sachant que le parc est vide, quand je dis vide, c'est vide, je peux chain ride, je peux profiter de filmer des plans en gare, etc. C'est génial. Et puis voilà, je vais juste vous envoyer un peu de fun pendant tout le mois de décembre, il y aura sûrement un peu de la vidéo sur le mois de janvier, uniquement consacré à Energylandia, mais c'est un parc tellement dingue et puis je suis tellement content d'être là pour 2 semaines et juste kiffer quoi, c'est génial, il neige tout, bon j'ai une dégaine de ouf, ouais il fait moins 3 degrés les gars, ça pique, mais bon on fait avec, c'est juste excellent de pouvoir rider des grosses machines en hiver, enfin bref, je vous laisse là et puis n'hésitez pas avec vos questions les gars, je vous ferai une petite vidéo fac pour vous donner toutes les astuces, allez ciao!